Allez, avec Léo Daré Latour, bravo pour ce match déjà, pour cet investissement. Est-ce que quand même on peut se satisfaire de ce point? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non, parce que on était venu gagner ce match, venu pour gagner ce match. On est passé à côté de notre deuxième mi-temps. Montauban a très bien joué. Donc oui, on peut se satisfaire aussi de ce point parce qu'on est quand même allé le chercher. Je crois que c'était à la 80e. Donc ouais, il faut se satisfaire de ça et il resterait une dernière cartouche à la maison. Alors on y laisse beaucoup de physique, hein, beaucoup d'engagement. Léo, tu t'es donné ce soir énormément. Est-ce que comment on récupère de ça? Ah ben des soins, du mental et. Et après c'est pour un club qu'on joue, c'est pour une ville, c'est pour tout un peuple, donc il n'y a pas le droit d'être fatigué vendredi prochain. Donc c'est des soins tout le week-end, c'est pas de bêtises, olito, bonne hydratation et voilà, il n'y a pas le choix, c'est tout un club qu'il faut sauver. Ce soir on a senti dans cette seconde période un Montauban plus puissant que Carcassonne en tout cas, dans des réalisations plus pragmatiques, ils étaient chez eux aussi. Oui, ben, y avait un public qui les poussait, je pense que ils n'étaient pas venus pour perdre chez eux. Non, Montauban est une très belle équipe, ne devrait jamais être dans cette fin de tableau, donc on est allé gagner à Agen il n'y a pas longtemps, donc on savait à quoi s'attendre. Voilà, on a réussi à les tenir en première mi-temps, on était devant et deuxième mi-temps on savait que ça allait piquer, on a tenu, mais voilà, ils ont une très très belle équipe et parfois tu craques. Est-ce que là, clairement, sur cette semaine de repos, de préparation, jouer à domicile devant votre public, ça va vous transcender quand même? Ah oui, ça sera à la vie, à la mort. Donc ouais, il me tarde déjà d'y être. D'abord du repos, Léo. D'abord du repos. Merci pour cette interview. Parce merci. Que...